Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour la suite de la résidence des Evil numéro 7 pour l'épisode 8. Alors du coup, attends, c'est pas là qu'il y a le secret? Oh, je sais pas les frérots. Bon, ça c'est la photo où il y a le... Vous savez, on avait une carte au trésor ou je sais pas quoi, mes couilles. Si c'est là, bah dites-le moi dans les commentaires et je suis peut-être un immense enculé. Bon, du coup les frérots, on avait battu Lucas à son jeu de merde. Je m'étais suicidé comme un immense demeuré. Et du coup on se retrouve ici dans la pièce où on a vu Mia et Zoé dans une belle sextape. Et Lucas qui nous dit qu'il aime pas les spoilers et qui veut nous niquer la gueule, grosso modo. Ethan qui a toujours des voice lines aussi déprimantes. Je me pose la question, je vais aller voir. Est-ce que le trésor il est pas là où j'étais avant? Sauf si c'est toujours fermé, que je l'ai dans le cul. Ok, c'est ouvert. Miu 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 miu. C'était là! Oh putain! Oh, j'ai bien fait! Il y a quoi? Oh! Oh, la partie d'avant, vous avez dû tellement m'en vouloir de passer à côté. Vous avez dû avoir envie de me buter, hein. Oh, les gars, eh, l'intuition, hein. Je suis vraiment sur internet et je fais pas genre. Hein, alors, pour ceux qui peut-être arrivent là, je ne mens pas. Je ne suis pas un triste fils de pute. C'est juste que quand j'ai commencé là à faire le... Du coup, à pouvoir reposer le truc. Quand j'ai commencé à faire le let's play, ça m'a titillé le cul, hein. J'étais vraiment... J'avais souvenir un commentaire qui me disait que ce serait dans la zone, en fait, de lui. Et là j'ai l'impression qu'on arrivait vraiment vachement sur la fin de la zone. Et que du coup on allait un peu se prendre une merguez into the onion. Et du coup on peut réparer le fusil du frérot, un vieux modèle de fusil pouvant contenir de peu de munitions. Mais regarde de faire de sacrés dégâts. Et on va le swipe avec le lance-flamme parce que j'ai l'impression que le lance-flamme c'était... Merde bordel. Le lance-flamme c'était surtout utile contre... Mais putain, bon c'est pas grave. Surtout utile contre Marguerite et que là ça ne l'est pas tellement. Donc au pire, si à un moment c'est trop la merguez, je reprendrai le lance-flamme. Y'a pas de sous, les reftons. Je suis content qu'on ait trouvé ce truc. J'aurais été un peu dégoûté si on était passé à côté de ce kit de réparation. Vous avez dû avoir envie de vous arracher les cheveux, les frérots. Oui. Parfait. Allez, on peut y aller. Donc du coup, on avait fini de... Enfin, Lucas avait fini de nous fister. Oh, t'es là. Ah ouais, on quittait complètement la zone. Hein. Je serais retourné en arrière quoi qu'il arrive, je pense. Honnêtement. Hein. Ok, du coup c'est ça. Putain, c'est une espèce d'Olympia, frérot. C'est trop stylé. J'adore. Ok. Oh non, me dis pas qu'il faut la manivelle. Ah. Allez, Jean-Jacques. Un peu de force. Ok, on récupère la manivelle, on va la garder, on va arrêter de... J'arrive bien. Faire des allers-retours. La réplique d'Ethan, les gars, c'est du miel. Du miel goupouille. Et... Attends. Putain, c'est quoi la carte déjà? Oh, c'est quoi la carte? CV? Ouais, CV, ok. Alors par là, il y a un petit local. On va aller au local. Ok, j'espère que la caisse n'est pas piégée, j'espère que c'était juste pour le... Oui, c'est bon. J'espère que c'était juste pour le niveau d'avant. Ça me ferait un peu chier. Ok, on a encore des combustibles, mais du coup on a plus lance-flamme, faudra qu'on les pose. On va prendre la place pour R. Ok, putain, notre instinct nous a guidé vers le bon chemin, je suis content. J'apprécie ce move. Hop. Allez mon frère. Merde. Allez. Mais oh putain, je fais deux fois les... Voilà. Yes. Yes. Parfait. Ah, j'ai cru que cette fois-ci, il la reprenait pas. Bonjour. Alors, c'est l'occasion de tester. Ta gueule. Bon, c'était un peu surcoté. Je m'attendais à le one-shot, je t'avoue. Ok, il y a une escouade de frérots, là. On les a repérés à 2 km. Je vais continuer à utiliser ça. Et... J'apprécie. C'est dommage que le deuxième ait pas été one-shot aussi, mais... Est-ce que t'es chaud de crever un jour, connard? Putain de merde! Merci! Oh, ça m'a fait chier, hein, celui-ci. Oh putain, c'est pour me soigner. Pas que j'ai oublié. Bah, j'ai coûté très cher. Est-ce que va y encore y avoir du feu? Bouge pas!
D'accord, et là je le one shot. Faudrait peut-être que j'arrête d'être un excrément sur pattes, hein. Ah ouais, je suis dans le rouge carrément. Bonjour. Ah, oh, je t'avais pas vu toi. Nique ta race. Et toi aussi. Ok, faut vraiment avoir le rond sur la tête quoi. Quand t'as le rond sur la tête avec celle-là, c'est absolument monstrueux, hein. C'est très très fort, j'apprécie. Je joue comme un chibre, mec, c'est hallucinant. Alors, il donne beaucoup de grenades incendiaires, ce qui signifie que... Alors, je vais utiliser directement les psychostimulants parce que je ne m'en sers jamais. Alors. Et je vais remplacer le pompe, là, que j'avais, par cette carabine, du coup, qui a 2 balles de moins, mais qui est nettement plus forte. Hein. Y a rien à dire là-dessus. Vraiment, vraiment nettement plus forte. Et... Oh putain! Attendez, mais les frérots! Le 44 McDom, il était pas dans un... Oh putain! Il était dans un truc avant! Oh merde! Tu penses que j'ai laissé le 44 McDom derrière comme un immense connard? C'est une possibilité fortement envisageable, je pense, non? Oh shit! Oh yeah, Mr. Crab! Ah si c'est le cas, j'ai un peu le mort, les frérots. Attendez. Bon, je vais prendre le lance-grenade vu qu'ils me disent de, ils me disent clairement indirectement de le prendre. Je vais sauvegarder les frérots. Et je vous skip jusqu'au moment si j'arrive à avoir le McDom. Je reviens. Bon, les frérots, du coup, j'ai fait le tour à peu près de littéralement toute la map, les roftons. Vraiment, j'ai fait... ça m'a pris ouais facilement une demi-heure. Heureusement, j'ai pas filmé MDR. Et du coup, ça m'a permis de récupérer plein de stuff en plus. Donc, je vais vous montrer dans le coffre. J'ai récupéré plein de stuff. Et ce que je cherchais, c'était des pièces antiques. Et du coup, il me fallait 9 pièces antiques pour avoir le Magnum. Et j'en ai que 6. Et j'ai fait tout le tour de la map en utilisant les psychostimulants. Donc, pour voir les objets à travers les murs. Et j'ai trouvé plein d'objets, mais j'ai pas trouvé de pièces antiques. Donc, je pense que je les ai toutes récupérées. Ou alors, je suis aveugle. Mais j'ai vraiment fait le tour de la map avec les psychostimulants. J'en ai utilisé genre 3 ou 4. Et j'ai fait, par tous les endroits où on est passé avant, j'ai tout ratissé les frérots et je n'ai rien trouvé. Mais par contre j'ai trouvé du stuff du coup intéressant mais pas de pièces antiques, hélas les revetons. Bon du coup je suppose que là ça va être un The Big Boss, si je me souviens bien c'est Jack je crois à ce moment là. Mais je suis pas sûr, peut-être que c'est Lucas et que je dis de la merde. Oh des revetons. C'est juste des revetons en fait. Donc pour moi. Zoé. Oui. Pas maintenant, on n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients? Coucou! Et Zoé, la détache pas! Et détache Zoé, connard! Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'aimerais te détacher, Poufias! Honnêtement, conne, elle, hein! Oh merde! Cherchez tes ingrédients dans mon cul, là, car madame! Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Je les ai. Ça suffira, non? Ah, maintenant il la détache. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Penses-tu? Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Bon, on fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. D'accord. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Il y en a un pour moi. Ah oui. Ça c'est un frérot pas content ça. C'est tonton Jack ça. Il va goûter au pont, fils de pute. Putain, il est une parade le frérot. What? C'est passé quoi là? What? Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Parce que moi non. Dis-moi merde, Jackie, hein! Donne-moi ton nuenieu!
On va essayer de monter. Est-ce qu'on va se faire shooter pendant qu'on monte? Connard. Merde. Ça c'est chaud de viser, hein. Mec, mais les gars qui font le jeu sur console, mais... À quoi que j'avais fait sur console à l'époque, en plus tu t'achetais un dieu en fait. Ok. Viens, ramasse. Viser ses yeux, c'est une évidence absolue. Putain, les jeux où tu peux pas te baisser, tu sais, où t'es limité là quand tu te baisses, tu veux pas regarder complètement en bas. Ça me... Putain. D'accord, il peut prendre ses balles... Genre pas ses balles à blanc. C'est bon. Putain, je suis rouge, j'avais pas vu. Holy fucking shit. Piece of crap, man. I mean the damn shit. C'est un peu pénible ton histoire. Mais c'est quoi cette limace à la con là? What is this? Putain, hé. Les années Call of Duty ne m'ont pas servi à rien! Ah si! Oula! Wouah! Excuse-moi, je me mets un peu de spray! Putain, j'ai appuyé sur. J'ai appuyé sur espace, hein. Je viens littéralement d'enculer l'intégralité de mes... L'intégralité de mes... De mes remèdes, non? Ouais, complètement. Putain, hé! Comment ça me faire chier? Tocard! Mais arrête de tomber! Oh putain, Ethan! Ok. Y'a pas d'effort, hein. Des grosses barres. Putain de merde. Oh, arrête de bouger. Ok. Il faut tirer où là? Oh putain, mais je vais le buter. Putain de merde. Oh bordel. Mais il meurt un jour ou pas le frérot? Wesh. Ah bah y a un moment où cette personne décède ou jamais. Je commence à douter là. Oh, lance-grenade, je l'avais oublié le frérot. Culé de ta race. Ah bah c'est pas fou hein. C'est complètement fou en fait. Il y a un moment où il va clamser ce connard ou l'espoir fait vivre juste. Putain mais c'est pas vrai. Il y a plus d'œil sur lui là, c'est quoi ce bordel? Et glisse. Les gars, y'a un truc que je fais mal là ou... Ethan.
Attendez les gars. Est-ce que ce frérot est en train de mourir là? Pas du tout. Waouh! Aujourd'hui, je vous présente l'art de la téléportation. Ta gueule! Oh non mon pote. Ok, des mines de pipi. Bonjour. Ethan, par ici. Il commence à emmerder celui-ci hein. Utilise le sérum sur lui. D'accord, tu vas pas me le demander deux fois. Alors hop. C'est con ce qui t'arrive, frérot. Hein. Est-ce que ça va? Ouais, nickel! Ouais. Allez, viens, Mia nous attend. Ok, bon, c'est un peu con parce que du coup, il nous reste plus que. Ouais, comme tu dis, ouais. Il nous reste plus qu'un sérum. Bon, par chance, je me souviens du bon choix et du mauvais choix. Et oui. Allez, il n'y aurait pas à tout, hein. Pour du nouveau tout. Eh oui. Coucou Chanel Galerie Lafayette. Ah non, le choix est difficile. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors on va choisir entre genre toi et elle, c'est-à-dire genre elle, du coup. Oh, t'as le cœur brisé ? C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé, partez! Partez tous les deux! Pardon! Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. Ah putain, c'est ce piano. Apparemment, ma place est ici. Oh, ce piano en fa dièse m'a. Tout retourné. J'enverrai de l'aide. Pas la peine! Y aura plus personne à secourir! T'es pas la gueule! Je sais que si je te pique à toi, tu te transformes en vieille vlasque de cul là! Une espèce de vase toute spermeuse. Prends pas pour un con, hein. Eh, je te vois. Eh oh, t'es dans l'angle. Je te vois plus. Tant pis. Ah, elle avait pas d'armure en scénario, ben, la pauvre. Hein. C'est le dégoût pour madame. Il fait chaud, hein. Ah oui. Après, moi, j'aime bien ces petites balades entre copains-copines. Entre mari et marié, plutôt. Ethan ? Ah oui ! Elle va me faire une proposition de fellation ! Ah, non, pas du tout. Qui d'autre aurais-je pu choisir ? Ma mère ! On est bien, hein, ici, hein ? Je sais ce que tu endurais. Oh oui, et t'as pas fini. Mais faut qu'on parle. Non, non, non. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein ? Écoute, je veux juste la vérité. Dis wallah. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. Elle me pète les couilles, Mia, c'est un truc de fou, hein. Bah, sauf pour avoir une armure en scénarium. C'est pas tout. Comment est-ce qu'il est arrivé là? En navigant, connard. Et puis, vu la gueule, il est là depuis un moment, Ethan. Il vient pas de. Il n'y a pas d'amarré, hein. Qu'est-ce que c'était? J'ai lâché une caisse! Oh là! Oh, pardon! En fait, il y a une fuite! C'était pas juste un prout! Non, c'est pas du tout terrifiant. D'accord. Je vais venir enfanter votre génitrice. Et là, si je me souviens bien, on prend le contrôle de Mia Khalifa.
Tout à fait. Cet endroit. Ethan. 0001. D'accord, ok, elle a ça dans la poche. Elle. Alors, where is Ethan? Est-il étendu? Rigolez pas, celui qui rigole là par contre il va en prison de suite. Yes, yes. Et... Oh monsieur Ethan! Nous ne verrons jamais monsieur Ethan. Hélas. Non, je plaisante. Il y a 1 milliard de photos de son visage sur internet. Eh oui, car Ethan a bel et bien un visage, les frérots. On voit beaucoup mieux dans Resident Evil 8, d'ailleurs. Ah, allez, madame. Putain, mec, là, je te garantis que dans la vraie vie, ça ne bouge pas d'un centimètre, tellement c'est rouillé sa mère, gros. Allez, on ouvre ça. Ils ont toujours une lampe torche sur eux, c'est dingue, hein. Yo. Y a des fouéreaux ici ou pas? Oh. C'est Little Bit fermé. Est-ce qu'on aurait pas un point de type sauvegardé? À te faire reculer. Ah, attendez. Hop. Qu'est-ce que c'était? C'était ma maman qui faisait caca. C'est un peu lugubre, ouais. C'est la lugubration, ouais. Rochette de frérot malmené ici. Il peut se passer quelque chose ou jamais? Très bien. Mais ça m'emmerde! N'importe quelle porte peut t'enfermer! Du port de Marseille, y'a mort, fais vrai! Oh! Ils sont tous morts! Ah oui, oui! Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines! Qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués! Oh, mais. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien, mais. Passons par là, on peut peut-être sortir d'ici. Et là, c'est ouvert! Mais ce jeu se fout de ma gueule! Allez, madame, on avance. Ça me paraît bien brosseau, hein. Quelque chose à voir dans cet endroit de merde ou pas? Oh! Oh putain, je les cherche depuis tant d'années, ces putains de pièces antiques à la con, là! Oh. Waouh! Bon, quand j'en vois une, j'ai l'impression de voir naître une légende. C'est terrible. Oh putain, et en plus, t'as qu'un coup, quoi, pour la récupérer, hein. Celle-là, tu la récupères pas, tu vas bien te faire enculer. Ça se trouve, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Les fois d'avant, il y a des passages par lesquels je suis passé où j'avais qu'une seule chance, et... Et du coup, bah, je peux pas les récupérer, les pièces antiques. Bon, ok, ça nous fait 7 pièces antiques. Bonjour. Registre de l'équipage. Bon, ok. Ah! Putain, connard! Il a pas réussi, hein? Ok, deuxième frérot. Encore un flip! Non, c'est bon. Attends, je vais aller voir si avant j'ai pas loupé un truc, je pense pas, mais. Ok, je tombais par ce trou donc j'ai rien loupé. Ok, impeccable. J'aimerais bien retrouver mes armes quand même parce que je commence un peu à chier la mon fuck.
Ma fille, très bien. Enfant rejeté, point exé. Ablation des couilles, point exé. Benjamin, point exé. Ah putain. Ouf. Et pourquoi? Elle est méchante. Est-ce que tu te souviens? Non. J'ai Alzheimer. Qui as-tu? Ce sourire, frérot. Je déteste ces enfants qui se tapent des barres pour rien, tu sais. Genre juste, ils se marrent. Ils sont là. Trop drôle. Ah putain, je vais te buter dans le jeu. Donc tu pleures, pute. Putain, et elle, quand elle baise, frère, j'imagine pas le bruit qu'elle fait, hein. C'est juste monter une échelle, lui demande tant d'efforts. Ah, salut, frérot. Yes. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. Ah non, j'ai pas dit ça. De quoi est-ce que tu parles? Et c'est pas la bonne réponse. L'a dit. Et oh, hé, t'as éternué ou t'as dit tu l'as dit? Tcha gueule, tu m'as merde, va dans ta chambre, un F qui signifie un fils de pute et ne ressort jamais. Oh, belle salle, bien lugubre ici, j'aime beaucoup, hein. Puis la déco, il y a des bacs et tout, c'est pratique pour l'organisation. C'est parfait. Ouvrir la poubelle, il y a rien. Ouvrir la poubelle, oh, il y a quelque chose, eh oui. Hé hey. Hop là. Excuse-moi, je suis à poil, je peux pas me défendre. Pardon. Alors, j'aimerais bien ne... D'accord. Je viens juste de sortir de mon écran, c'est pas... Bon, lance. La taille de la merguez que je prends n'est pas assumable pour mon trou du cul. Alors, j'adore me faire enculer, hein, mais... Là, on atteint des niveaux un peu trop élevés à mon goût. Oh, 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 j'allais me moquer de lui, j'aurais pas dû... Attends, mais je devais me cacher en fait. Wouah. Oh putain, yes. Oh oui, en plus avec autant de balles, mais tout ce que je vais pouvoir faire, notamment m'insérer l'intégralité de mes doigts dans mon cul. Oh, ça va être super. Putain, mais quelle bande de sacs à merde. Bon, bah les amis, sur cette sauvegarde, nous retrouverons pour l'épisode du coup numéro 8. Je sais pas comment on va avancer là, honnêtement. Je pense qu'il faut y aller discrètement, honnêtement, les frérots. On verra ça à l'épisode 8, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé, les amis. Je vous fais de gros bisous, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.